une passion d'enfant. Déjà gamin, j'étais passionné par les camions. J'ai démarré chauffeur et j'ai fini exploitant et après je me suis mis à mon compte en 2005. Aujourd'hui, on est 12 conducteurs et on se partage entre le frigo et le porte-conteneur. La première fois que j'ai conduit un camion de course, c'était en 2010 à Dijon. La première course du championnat de France. C'est une opportunité avec le team CCV qui avait un camion en plus, il lui manquait un pilote et il m'a proposé d'aller à Dijon, d'essayer, de faire un essai, voir si lui ça lui convenait, si moi ça me convenait et puis on est parti ensemble quoi. Ce véhicule on l'a acheté au team CCV, on l'a acheté complet et on continue à essayer de le faire, de le développer et de le faire évoluer et gratter des places au fur et à mesure. Hein. Déjà dans ma société, je suis à 50% d'AF, donc ça a été aussi une démarche de partenariat avec Toulouse Service VI qui si lui ne nous aidait pas, ça devait être un peu difficile. Donc il a dit allez banco, on avance et ben, on est parti. Aujourd'hui on a un team, c'est très très familial. On est une petite dizaine de personnes, de passionnés et on fait ça pour vraiment pour s'amuser, se faire plaisir. Quoi. La saison s'est bien passée. Ça fait la troisième saison, depuis les débuts on fait que progresser. Là aujourd'hui on est classé 9e, on se bagarre avec le team VTR où on a à peu près les mêmes véhicules, avec Christophe Miguel, un Toulousain aussi, et donc on s'amuse bien. Est un circuit rapide, donc on a moins de facilité pour finir dans les premiers. Parce que nous, en tant que team amateur, il nous manque toujours des chevaux, il nous manque toujours de quelque chose. Donc c'est mieux dans les circuits sinueux que dans les circuits rapides. Aujourd'hui, on est à peu près entre 900 et 1000 chevaux. Tenue de route, il va bien. Il manquerait un développement moteur qui aujourd'hui, on laisse un appel à DAF usine pour nous aider. Voilà, aujourd'hui on est 100% amateur pour trouver les budgets. C'est plein de petits budgets qu'on regroupe à droite, à gauche, des personnes qui sont passionnées un peu par le camion. C'est davantage des fournisseurs, comme le marchand de pneus, c'est le marchand de pneus de notre société qui on travaille avec, donc bon, ça aide.